J'ai le privilège de vous présenter ya kuweza kumionesha mon papa. Baba yangu. C'est vrai. Bien kweli. Vous pouvez m'appeler Papa Samson ici. Muneza kunita Baba Samson hapa. Moi aussi, je suis fils. Na mimi niko mwana. Je viens de quelque part. Natoka fasi moya. Amen. Amina. Je ne suis pas Melchisedek. Sina Melchisedek. Je ne le dis pas seulement à sa présence. Si c'est mais tout moi pour ake. Vous êtes conscients, vous tous, que chaque fois que je ne fais que le dire. Na muko na zami ya kusema mara mingi niko naisema. Amen. Amina. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un ne comprend pas la source, wakati mtu hatambue chemchemu, il se détruit aussi facilement. Anachipomona kwa wepesi. Papa, baba, nous avons le privilège de vous avoir au milieu de nous. Ya kutupata kati yetu. Merci beaucoup d'être venu. Aksanti sana kwa kuja. C'est un honneur pour nous. Iko heshima kwetu. De vous avoir. Ya kuweza kukupata. Merci. Accent. Notre prière maombi yetu est que Dieu vous garde le plus longtemps possible. Mungu akuchunge tena zaidi. Et que Dieu garde aussi mama. Na Mungu achunge tena mama yetu. Vous êtes une bénédiction pour nous. Muko baraka kwetu. Alors nous allons laisser à papa la liberté. Tutamwachia baba uhuru. Pour nous, kwetu, nous ne recevons pas seulement la parole qui va nous prêcher. Si atupokea tu neno ile atatuambia. Mais nous recevons aussi la bénédiction d'un père. Lakini tutapokea ko baraka ya baba. Parce que nous connaissons la puissance de l'alliance. Tunajua ako nguvu ya agano. Il y a des victoires que tu ne peux pas vaincre par tes prières. Kuko maushindi awezi kupata kupitia maombi. Mais par l'alliance tu peux le vaincre. Lakini kupitia agano unaweza kuwina. Alors il est là. Iko hapa. Portant l'alliance de la nouvelle cité de David. Anachukua agano ya siti mupe ya Daudi. Et c'est cette alliance dont nous voulons bénéficier. Na jo ile agano tunapenda kupatia ufaida. Alors pendant que papa s'avance, wakati baba iko na jongea, avec son interprète, na mutafsiri wake, nous acclamons le Seigneur. Merci au nom de Jésus. Une fois de plus pour ton serviteur. Merci d'élever cet homme au-delà de toutes les limites des hommes. C'est ce que je peux te demander encore aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Merci. Toi, vous allez bien. Aligani, muko sawa. Disons que vous allez bien. Nilikuwa nauliza muko sawa. Que Dieu vous soit favorable. Mungu awe mwema kwenu. Papa et maman, merci. Baba na mama, asante. Que Dieu vous bénisse vraiment. C'est un honneur pour nous, mon cher. Nous transmettons les salutations de maman Monique. Na hata tunamletea salamu ya mama Monique. Elle vous aime beaucoup, maman Bijou. Elle vous mama, aime. Ana mipenda sana maman Bijou na papa. Chers amis, vous tous, que Dieu vous bénisse. Chaque fois que je viens ici, je retrouve quand même certaines figures. Que Samson est venu cacher ici. Que Dieu vous bénisse. Hein? Je sais que vous êtes bénis derrière cet homme. Hein? Alors soyez bénis encore davantage. Soyez bénis encore davantage. Alléluia. Oui, oui, chaque fois que je viens ici, je me rappelle toujours de ce que Frère Papa Albert disait, qu'un succès sans successeur, c'est un échec. Mais j'ai l'impression que, ok, que Dieu vous bénisse. Hein? Ah, ça c'est, que Dieu bénisse le champ de lieu. Ok, alors Jean 10, 11, je vais essayer de partager avec vous cette parole qu'on vous prêche tous les jours. Je ne pense pas qu'il y a un seul verset que je vais citer que vous n'avez pas encore entendu. Vous avez déjà tout entendu. Mais c'est une bonne chose d'écouter encore la parole de Dieu. De l'écouter plusieurs fois. C'est une très bonne chose. C'est un moment-là, ça entre. Et ça devient effectivement notre vie.
Alors Jean 10, 10 et 11, nous connaissons. Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à la première partie qui concerne les voleurs. Parce qu'au fait, dans ce verset, le Seigneur Jésus, il révèle l'identité de deux personnes. Le premier, malheureusement, c'est le diable. Il décrit ce qu'il est et sa mission. Et nous le connaissons très bien. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'il dit de lui-même. Hein? Il dit que je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je suis venu dans le monde pour donner ma vie. Afin que mes brebis aient cette vie. Et il ajoute. Et qu'ils la vivent avec abondance. Il dit, je suis venu donner ma vie. Pas à tout le monde. À mes brebis. Puis il ajoute. Pour que mes brebis vivent cette vie. Et qu'ils la vivent avec abondance. C'est très important. C'est pourquoi le sous-thème que j'ai choisi pour vous. Nous parlons de ça depuis le début de cette année encore. C'est la puissance du Saint-Esprit et la vie en abondance. La puissance du Saint-Esprit et la vie en abondance. D'abord, je n'ai pas demandé au chef, c'est combien de minutes? Ah, okay. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas m'arracher le micro, non? Non, amen. Amina. Je ne peux jamais abuser de votre temps, même si c'est une fois par an qu'on vient ici. Mais il fait beau ici, hein? Emmanuel. Nous allons commencer à fuir la vie, nous venons suivre les cultes. Il y a même une onction terrible. Surtout quand Papa Samson prend le micro, commence à chanter. Donc. Amen, bien-aimé. Amina. Ça, c'est un de ses dons. Il aime chanter. Il chante toujours des cantiques un peu particuliers là. Souvent, je me pose la question, où est-ce qu'il ramasse tous ces cantiques? Hein, il chante très bien. Que Dieu vous bénisse, chandelier. C'est merveilleux, merveilleux. Alléluia. Amina. Il vous donne les moyens pour construire un grand temple ici. Ok. Alors, donc, je disais que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu avec une mission sur la terre. Ce verset révèle. Je ne dis pas une des principales missions, mais la principale mission, c'est ce verset. Il dit, je suis venu sur la terre comme le bon berger, avec comme seul objectif donner ma vie à mes brebis pour qu'ils vivent ma vie. Mes brebis doivent vivre ma vie et ils ne vont pas la vivre n'importe comment, ils doivent la vivre avec abondance. Que veut dire encore l'abondance? Ici rapidement, en nous limitant à l'esprit des saintes écritures, l'abondance, c'est ce qu'on ne peut pas
chiffrer, ni kienye hawezi kuhesabia, qu'on ne peut pas évaluer, hawezi kupima. On ne peut pas lui donner une valeur. On ne peut pas dire que ça vaut ceci. Ça vaut autant d'onnes d'or. Ça vaut autant de milliards de dollars. Non. Donc on ne peut pas quantifier ça. L'homme ne peut pas donner à cela une valeur. C'est ça l'abondance dans le sens biblique. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je suis venu donner ma vie. Il dit la vie du bon berger. Maintenant, avant que nous comprenions encore comment vivre cette vie, rapidement, rappelons-nous ensemble ce qu'a été la vie du bon berger. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, donc Dieu, il était un homme parfait, tout en demeurant Dieu. C'est ce Jésus-là qui dit qu'il est le bon berger. C'est quelle vie? Elle dit, je suis venu donner ma vie au brebis. Mais quelle vie? Parce qu'il n'est plus sur la terre. Nous sommes en train de lire la Bible. Lui n'est pas là. S'il était là, on pouvait lui demander, mais explique-nous, la vie là que tu veux nous donner, c'est laquelle? Oui, je suis sûr. Il allait dire ceci. Que la vie que je suis venu vous donner, c'est la vie que moi, Jésus, homme comme vous, la vie que je vais vivre sur cette terre ici, la vie que je suis venu vivre sur la terre comme un homme, esprit à mes corps, rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est cette vie là que je suis venu pour vous la transmettre. Pourquoi? Mais il était sur la terre. Et Jésus savait que nous continuons à être sur la terre. Donc il ne pouvait pas nous transmettre une autre vie que celle que lui a vécue sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il a accepté de venir comme un homme. C'est pour vivre une vie comme un homme. Et puis après, quand il part, il nous laisse cette vie. Amen, Église. Amen. Nous savons comment il nous a donné sa vie. On vous a toujours parlé de la croix. On vous a déjà parlé de la puissance du sang de Jésus qui a coulé de son corps. Donc potentiellement, il nous a engendrés sur la croix par le sang qui a coulé. Mais pour qu'un homme naisse effectivement de Jésus, pour dire que je suis un enfant de Dieu, on vous a déjà aussi expliqué, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Donc lorsqu'un homme naît de nouveau, en ce moment-là, la croix. Ce qui s'est passé à la croix, la puissance du sang qui a coulé à la croix engendre cet homme. C'est quelque chose qui est spirituel. On vous a déjà expliqué tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Jésus sur la terre? Jésus homme. Face à Dieu, le Père,
Il a marché sur la terre comme un homme. Enfant de Dieu. Parce que vous savez comment il a été conçu. Comment il est venu sur la terre comme un homme. Directement par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible l'appelle fils de Dieu. C'est pourquoi l'ange a dit à Joseph, à Marie, les ont dit au berger, il est lui là, le bébé là. Il est le fils direct de Dieu. C'est pourquoi vous allez lui donner le nom de Jésus. Je peux peut-être revenir là-dessus un peu vers la fin. Amen, bien-aimé. Amen. 1. La vie de l'homme Jésus, qui était en même temps le Messie, c'était une vie d'intégrité sans faille. Dans sa relation avec Dieu, nous connaissons ce passage. Vous connaissez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il est écrit que lui n'a pas péché. Et lui Jésus qui n'a pas péché, Dieu l'a fait devenir péché pour toute l'humanité. Vous le savez. Hébreux 4, 15. La Bible dit, tout en étant souverain sacrificateur, il a été tenté en tant qu'un homme en toutes choses. J'ai dit que Jésus était homme, esprit, âme et corps, comme toi mon frère. Comme nous, un homme comme nous, il était comme nous. La Bible dit, il a été en tant comme il a été tenté en toutes choses. Mais il a vaincu toute tentation. Vous comprenez? Hein? Hébreux 4, 15. Il a vaincu toute tentation. Esaïe, avant même qu'il ne vienne comme homme en chair et en os, Esaïe avait déjà prophétisé. Au chapitre 53, c'est écrit que lui qui n'a pas péché, Dieu a pris l'iniquité de tous, il l'a mis sur lui. Mais quand Esaïe parle, ce Jésus n'est pas encore là. Quand Esaïe prophétise, 7 siècles avant que Jésus ne naisse sur la terre, mais Esaïe dit de lui qu'il n'a pas, donc Esaïe ne dit pas qu'il ne péchera pas. Hein? Vous connaissez le temps par lequel cette prophétie a été donnée, d'Esaïe 50. Du début à la fin, c'est au passé. Comme pour dire une chose que l'Éternel Dieu a déjà accomplie. Donc avant que Jésus ne vienne, Dieu le Père, il atteste qu'il viendra comme un homme, il ne péchera pas. C'est pourquoi je prendrai les péchés de toute l'humanité, je mettrai sur lui. Une vie d'intégrité sans faille. D'obéissance à Dieu. Une obéissance totale. En tant qu'homme soumis à l'Esprit de Dieu. Au Saint-Esprit. Quel miracle Jésus n'a pas fait. Mais le Jésus qui faisait les miracles, bien qu'étant Dieu, mais en tant qu'homme, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et il pouvait se glorifier. Nous voyons nous les hommes ici. Sur quelqu'un, il tombe, c'est fini. Surtout, s'il se réveille, il dit que j'avais mal à la tête quand je suis tombé, la douleur est partie. Ça devient le témoignage d'évangélisation. Soit. Okay. Mais Jésus, malgré les miracles, qu'est-ce qu'il disait aux Juifs? Ce que je fais, ce que je dis, ce n'est pas moi, c'est le Père. Il parlait Jésus. Quand vous lisez l'évangile, vous comprenez, non? Que les Juifs pouvaient dire, mais on n'a jamais vu un prophète
en Israël parlait comme l'homme ici Jésus. Mais il leur disait quoi? Toutes ces paroles, ce n'est pas moi, c'est le Père. Tous les miracles ici, ce n'est pas moi, c'est le Père. Une soumission exemplaire. Alors, puisqu'il était obéissant, Dieu, puisqu'il était intègre, c'est ce que la puissance de l'Esprit de Dieu a agi dans la vie de Jésus. La Bible dit quoi? Acte 10, 38. Hein? Que par la puissance de l'Esprit de Dieu, Jésus allait de ville en ville, de village en village, guérissant les malades, ressuscitant les morts, proclamant l'évangile, chassant les démons. Nous connaissons toute cette œuvre, la puissance du Saint-Esprit. Il y a des miracles que Jésus a fait, bien aimé. Donc, bon, je sais, lui-même a dit que vous ferez des plus grandes mains. Je ne sais pas. Je ne sais pas si avant qu'il ne vienne, il y aura des hommes qui vont. Donc, il arrive au cimetière, là, quelqu'un qu'on a déjà enterré 4 jours après. Et on dit seulement, enlevez la dalle ici, sort, et l'homme sort. Bon, écoute. Si le Saint-Esprit te donne la vision, tu peux aller au cimetière, il n'y a pas de... Mais si tu veux me dire, moi, que non, Papa Zachary, j'ai rêvé que vous êtes allé au cimetière, qu'on était en train d'enlever les dalles, les gens sortaient. Je vais vous dire très bien, laisse-moi entrer aussi en jeûne. Non, cher, sinon, tu vas transpirer. Tu vas transpirer terriblement. Si vous t'as transpiré, vous allez transpirer. On a touché bantu mounyombo. Au point où tu vas même chasser les gens. Finalement, vous risquez même de vous fâcher contre le Saint-Esprit. On a omba omba tanguryanza kuomba fufuke. On a tarika na kumushirikia na Roho Mtakatifu mwenyewe. J'avais appris l'histoire là de quelqu'un là. Il dit à la famille, non, je vais les ressusciter. Finalement, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ndada nduku moja wa mjamali kufa nasema muache Mungu aliniambia atapona atafufuka. Saa moja, saa mbili kisha. Dis bon, écoutez, ce n'est que partie remise. La Bible dit que le jour que Jésus a ressuscité Lazare, oui, c'est parce que c'est que nous les lisons aujourd'hui comme de l'histoire. Mais c'était terrible à Béthanie. Les propres sœurs de Lazare, elles n'en revenaient pas. Parce qu'elles ont tenu à convaincre Jésus que c'est impossible. Ce que mais Lazare est sorti. Et la ville de Jérusalem s'est vidée. Les gens sont venus pour dire, allons voir le Lazare. Bref, par la puissance du Saint-Esprit, l'homme Jésus, le bon berger, il a accompli des puissants et glorieux prodiges. Une démonstration de puissance hors norme. Pourquoi? À cause de son intégrité. Spirituellement, il n'y avait personne qui pouvait résister à Jésus. Personne. Aucun esprit. Depuis Satan jusqu'au dernier. Je parle bien de l'homme Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a caractérisé encore la vie de Jésus? C'était un serviteur de Dieu infatigable à servir Dieu jour et nuit. Je n'ai pas lu quelque part où c'est écrit qu'un jour Jésus a dit bon, aux apôtres, dites hein, que le maître est fatigué, il se repose, une semaine de repos. Mais
Moi, je n'ai pas encore lu dans l'évangile. Pendant 3 années et demie. Pas un seul jour où on dit que Jésus était étant fatigué, il a dit, allez, aujourd'hui, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas, aujourd'hui, je suis fatigué, laissez-moi dormir. Non. C'est ça, non? La Bible dit la nuit. Quand les apôtres vont dormir, lui, il se retire sur la montagne pour prier. Alors, je me dis toujours, Jésus, il dormait comment? Et quand? Parce que chaque journée, il devait la préparer la nuit. Chaque journée, Jésus devait la préparer la nuit. C'est la nuit qu'il recevait du Père le programme de la journée. C'est la nuit que le Saint-Esprit lui disait, demain, tu prendras la rue, telle rue, et là-bas il y a Bartimée. Jésus notait, donc demain c'est Bartimée. Ce n'était pas au hasard qu'il était passé là où il y avait Bartimée. L'autre jour, le Saint-Esprit lui dit, aujourd'hui, c'est l'homme né aveugle. Tu iras vers lui. Lui ne va pas crier comme Bartimée. L'homme né aveugle, toi-même tu iras vers lui. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Serviteur de Dieu infatigable. Toute la vie consacrée à servir l'éternel Dieu. Qu'est-ce qui a caractérisé encore la vie de Jésus? Sur le plan physique. Jésus homme. Jamais malade un seul jour. Vous avez déjà lu. Pasteur, que ce jour-là, les apôtres ont dit à la foule, le maître, il a mal au dos. Bien, on est en train de le perfuser. Une santé physique solide. Afya njema ya mwili ya nguvu. Physiquement. Mukimwili. Moi, je n'ai pas encore lu. Mishi ya somaka bado. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler de la vie du bon berger. Et de l'abondance qui a caractérisé cette vie. Sur le plan matériel et financier. Jésus était-il riche oui ou non? L'homme Jésus qui est venu sur la terre, il était riche bien, il était pauvre. La Bible atteste que cet homme-là qui a quitté le ciel, il était riche. 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez ce verset, non? Je vous ai dit qu'il n'y a pas un seul verset que vous ne connaissez pas. La Bible dit quoi? Il était riche. Jésus. Mais quand il vient sur la terre, il a délibérément renoncé à cette richesse. Faute de temps, je demande à votre pasteur un jour qu'il vous explique encore en quoi a consisté la richesse de Jésus. C'est vrai, il était homme. C'est vrai, il était homme. Mais il demeurait Dieu. Et la Bible atteste que c'est lui la parole de Dieu qui a tout créé. C'est lui la parole de Dieu qui est Dieu. Qui a tout créé. Vous n'avez qu'à lire Colossiens 1, 15, etc. Donc matériellement, n'est-ce pas? Dieu lui-même dit, l'or et l'argent sont à moi. L'or et l'argent de toute la terre. Et il y a des milliers, des milliards de tonnes d'or, de cuivre, d'argent, de cobalt,
que l'homme n'a pas encore découvert, qui est sous terre, qui sont sous terre. Qui sont sous terre. Et puis, bon, en définitive, ça va rester. Voyez, quand il y a un peu d'argent là, il laisse les épaules, il est content. Tout ça. C'est bien. Mais nous oublions toujours que les jours arrivent où nous laissons tout. C'est vrai, nous disons, bon, il faut travailler pour la descendance. Donc, avant de mourir. Testament. Avant de mourir, testament. Mais la Bible dit quoi? Que en fin des temps, Dieu mettra fin à toute l'humanité. Vous le savez, non? Hein? Donc, il n'y aura aucun homme sur la terre. Soit vous êtes au ciel avec Dieu. Et moi, je vous dis que je serai là. Donc, les gens là qui seront au ciel avec Dieu. Il y a Papa Zachary. Aussi mon pasteur ici, Maman Bijou. Bon, vous, je vois que vous ne croyez pas, mais au moins nous, avec Papa Samson et Maman Bijou, nous serons là au ciel avec Dieu. Le reste dans l'enfer, c'est tout. Donc tout l'or que les gens ici cherchent, tout l'or qu'il y a dans les banques, tous les dollars, tout va rester. Tout. Et la Bible dit que Dieu va détruire derrière la terre. Et il va créer une autre. Mais la Bible dit que toute cette richesse-là, Jésus, quand il est sur la terre, il a refusé de l'utiliser. Même pour naître là. Donc Jésus accepte de naître au milieu des bêtes. L'étable n'est nyumba ya banyama, non? On dit qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel. Mais à l'hôtellerie. Je ne crois pas que banyama. Pour qu'il aille naître seulement dans l'étable. Mais il a accepté Jésus. Jésus a vécu comme tout enfant. Ses parents-là, nourriciers, comme on peut les appeler, Joseph et Marie. Mais c'était des pauvres. Nazareth. Joseph menuisier. Joseph mseremala. Un charpentier, surtout. Na ate kona pika mbao fazi ya kutilia malata. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Quand il commence le ministère, wakati anaanza huduma, Jésus entend, il était Dieu. Yesu shalikuwa Mungu. Mais il pouvait, quand il a fini la mission dans une ville, kama anamaliza kazi mumuji fulani, il prie seulement. Anaomba tu. Et puis il vole et se retrouve dans une autre ville. Banaluka banapotea tu banatokea mumuji ingine. Il était Dieu, Jésus. Shalikuwa Mungu, Yesu. Il pouvait utiliser cette puissance. Aliweza kutumia ile uwezo. Jésus pouvait même créer des chevaux et puis chaque apôtre sur un cheval et il va de village en village. Il avait cette puissance, mais il a renoncé à cette richesse et Jésus a marché à pied tous les jours. Du nord au sud d'Israël, c'est plus de 200 kilomètres. Il a marché à pied. Jésus, le créateur de toutes choses, il s'est contenté de la cuisine de Pierre. C'est écrit, non? Quand ils sont arrivés à Sichar, en Samarie, il est resté avec la Samaritaine, vous connaissez l'histoire. Les apôtres sont allés au village faire quoi? Acheter la nourriture.
Je dis, mais Jésus aussi. Donc, quand il prêche là, il prêche. Les apôtres sont en train de préparer. Après avoir prêché, là où ils se retrouvaient dans les villages. Et puis les apôtres commencent à préparer. Je ne sais pas si à l'époque il y avait les braises, mais ils prenaient. Et Jésus est là, il attend la cuisine de Pierre. Et ce qu'il mangeait dépendait de la bourse de Judas. Le jour où Judas avait quand même pris aussi quelque chose. Ils arrivent au marché, au lieu de la viande, sont les fretins. Bien, au lieu de fretins, non, les matembele, Vous avez déjà lu qu'un jour Jésus, il a multiplié l'argent dans la poche de Judas. Et là, la Bible dit, je vous ai dit qu'il se retirait pour dormir, non? Non, pour aller prier. Pour aller prier sur la montagne. Maintenant, après avoir, il se reposait quand même. Sur quoi? Sur la terre. La Bible ne dit pas qu'il allait avec la mousse sur la montagne. D'abord, je me posais la question. Parce qu'ils allaient de village en village. Je crois que Jésus et les apôtres, là où la nuit les attrapait, ils dormaient par terre, non? Enfin, je suis en train de réfléchir avec vous, non? J'ai l'impression. Comment Jésus a renoncé à la richesse? Et la Bible dit, c'était pour lui le moyen pour que nous, les brebis, nous puissions vivre, récupérer cette richesse. C'est ce qui est écrit. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichi. Jésus, vraiment. Donc, même pour bien manger ici, il a renoncé. Pour que toi et moi nous mangeons bien. Même pour dormir ici, il a renoncé. Pour que toi et moi nous puissions dormir bien. Même pour avoir une maison. Donc la Bible dit quoi? Lui-même Jésus dit quoi? Le fils de l'homme, il n'a pas où mettre la tête. C'est Jésus qui dit oui ou non. Et pourquoi il a accepté toute cette pauvreté-là? Pour que toi et moi, un jour, nous dormions aussi, un peu tranquillement, sans que je vous rappelle que le 30, c'est demain. Si le 30 passe, le premier, oui, c'est fermé. Tafuta kwa wewe kwenda kwa sababu cho ilishafungiwa. Wewe sasa firme. Cho inafungiwa. Donc que Dieu vous délivre, amen. Mungu amifungule, amina. C'est ça que la Bible dit. Joy la Bible inasema. Pourquoi? Dieu a nini? Il ne s'est pas construit des buildings en Israël. Magorofa ya juu katika Israël. Parce qu'il était venu. Kwa sababu alikuja. Pour que toi et moi. Juwe na mimi. Nous les construisions. Tupate kujenga gorofa. Bref, la vie du bon berger, c'était une vie bénie en bon tabac. Nous l'avons compris sommairement sur le plan spirituel. Une vie d'intégrité sans faille. Une vie glorieuse. Une vie puissante par la puissance du Saint-Esprit. Une vie physique, donc une santé physique terrible. Amen, bien-aimé. Amen. Enfin, pour terminer, comment nous devons vivre cette vie? Lui, il est venu. Je vous ai dit, après avoir parlé, prêché tout, il est maintenant monté sur la croix pour nous engendrer par son sang. Et concrètement, chaque fois qu'un homme naît de nouveau, automatiquement, c'est la puissance de la génération par le sang au Père. Nous savons,
Tunajua. Que nous les hommes. Ya kwamba sisi wanadamu. C'est notre vie que nous transmettons aux enfants, oui ou non. Maisha yetu wakati tunazala batoto njoo kwa maisha yabo. Vous savez comment ça se fait, non? Si unajua vile binapitikanaka. C'est pour cela que vos enfants vous ressemblent, non? Jo kwa sababu ya ile batoto yenu barisha kumifana. Mon frère. C'est pour cela que même tes filles te ressemblent. Jo kwa sababu ya ile batoto yako banamke barisha kukufana. Elles marchent comme toi. Banatembeaka paka vile wewe unatembeaka. On dit cette fille ici. Oui, mtoto, mwanamke, oui. Son papa c'est elle. Baba yake ni seulement parce qu'elle marche comme ça. Tunamuonea njoo baba yake anatembea yeye mikulu ni paka hivi. Na yeye ndio vile mtoto mwanamke yuko anatembea. Bref, de même que par le sang humain, nous entendrons nos enfants. Et c'est notre vie qui coule dans leur cœur. Parce que c'est notre sang. De même sur le plan spirituel, Jésus nous a engendrés. Par conséquent, la vie qui doit couler en nous ne peut être que sa vie. Ne peut être, mon frère, si tu es chrétien, né de nouveau, tu dois prendre conscience que tu es enfant de Dieu. Et que par conséquent, la vie qui doit couler en toi doit être la vie de Jésus. Maintenant, toi et moi, un jour, nous avons cru au Seigneur. Nous sommes nés de nouveau. Ok. Nous devenons effectivement enfants de Dieu. Automatiquement, c'est sa vie qui doit couler à nous. Je vais vous faire lire un passage. Jean chapitre 5, le verset 26. Jean 5, 26. La Bible dit ceci. Que la vie était dans le Père. Le Père, Baba, car comme le Père a la vie en lui-même, kwa sababu vile Baba anakuwa na uzima ndani yake, ainsi il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Na ni vile alimpatia mwana awe na uzima ndani yake. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa? Le Fils c'est Jésus. Mwana ni Yesu. Nous savons tous. Tunajua sisi sote. Conçu par la puissance de l'esprit de qui? De Dieu. Mwene kuwekewa mtumbo na uwezo ya nani ya roho ya Mungu. C'est pourquoi Jésus ndio kwa sababu Yesu n'avait pas peur de se présenter comme étant le Fils de Dieu. Parce que né de Dieu lui-même directement par la puissance de son esprit. Donc la vie de Jésus, homme sur la terre, c'était la vie de Dieu. Parce que Fils de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez ça? On peut acclamer le Seigneur. Tumpikie Bwana makofi. Amen, Église. Amen. De même que le Père a la vie en lui-même, il a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et c'est cette vie-là du Fils Jésus qu'il est venu nous donner. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, Église, vous comprenez? Amen. C'est cette vie-là. C'est pourquoi tu dois comprendre pourquoi on t'appelle enfant de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi on vous appelle enfant de Dieu? Jésus, yes, Fils de Dieu, mwana wa Mungu, il a la vie de Dieu en lui. Na alikuwa na le même Fils de Dieu, mwana wa Mungu, il a engendré des fils de Dieu. Anazala batoto bengini bambu. Que nous sommes nous les chrétiens. Shiba Christ. Donc la vie que Jésus est venu nous donner uzima ule Yesu alikuwa n'est rien d'autre que la vie de Dieu le Père. Aina ingine isipokuwa uzima ya Mungu Baba. C'est pourquoi il nous appelle ses frères. Anatuita banduku yake. Nous sommes les petits frères de Jésus. En même temps, ces fils, ça sont les réalités spirituelles. Il nous engendre comme père. Et puis après, il descend. Il dit très bien, je suis votre père. Je vous engendrerai par mon sang. Mais devant Dieu le Père, nous sommes des frères.
La Bible dit il n'a pas honte de nous appeler frères. Biblia inasema sisikie haya kutuita banduku yake. Parce qu'il sait que. Kwa sababu anajua ya kwamba. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Oh, Jésus. Maintenant, comment nous devons vivre cette vie? Je tunapasha kuishi uzima huyo. L'homme est esprit, âme et corps. Muntu ni roho, nafsi na mwili. Nous le savons. Tunajua. Et Dieu a établi l'homme sur la terre. Na Mungu aliweka mtu pa dunia. Et lui a donné une mission. Na alimpatia kazi. C'est le travail. Ni kazi kutumika. Pour que par le travail hivi kupitia kazi, de cet homme, ile mtu atatoka, il vive sa vie. Uzima wake. Le travail kazi de l'esprit. Yaro. Le travail de l'âme kazi ya nafsi, et le travail du kazi corps ya mwili. C'est l'ensemble des activités de trois composants. Ni kuchanga kwa makazi yote viungo tatu vinatumika. La résultante mapato de ces trois activités, de ces activités viungo tatu, c'est ça que nous appelons le travail. Jo ile tunaita kutumika. Et c'est par ce travail na, ni kupitia que l'homme doit faire tous les jours qu'il va kazi vivre la vie en abondance du bon berger. Le travail de l'esprit, le travail de l'âme, le travail du corps. Et Dieu nous a donné trois ressources. Trois ressources pour que nous utilisions ces ressources, que nous nous appuyons sur ces ressources pour vivre sa vie. Un, la puissance du Saint-Esprit. Deux, la parole de Dieu. Trois, les ressources naturelles et humaines. Nous parlons de ça ces derniers temps. Amen, bien-aimé. Les ressources. Commençons par les ressources naturelles et humaines. Les ressources naturelles, c'est la terre. Ni udongo. La terre ici, voyez là. La udongo ene, mkuna ona udongo ene. C'est une ressource importante. Inakuwa kifai kinayo kuwa na bei. La terre, vous voyez. Udongo kulo kuna ona. Il y a la partie superficielle qu'on appelle le sol. Kuko ile ya juu, tunaita udongo ya juu. Et l'homme doit utiliser cette partie. Na mtu anapasha kutumia pour cultiver. Juu ya kulima mashamba. Pour cultiver l'agriculture, mashamba, il utilise l'herbe qui pousse sur ce sol ile majani, ilisha kuota mudongo, pour faire l'élevage, donner aux vaches, aux moutons. Banyama, bakondolo, bambuzi, ngombe. Et puis quand il a besoin de l'or, na, wakati kama anahitajia zahabu, il va dans le sous-sol, anachimba chini ya udongo, il va trouver l'or qui est là-bas. Atapata zahabu, inapatikana chini. Je vous pose la question. Na kuuliza, uliza. Adam et Eve étaient riches, bien ils étaient pauvres. Adam na Hawa walikuwaka batajiri au bamaskini. Ils étaient riches. Balikuwaka batajiri. Vrai ou faux? Ni bia kweli au ni bia bongo. Ils étaient riches. Balikuwaka batajiri. Mais quel travail Dieu leur avait donné? Ni kazi gani ile Mungu alibapatiaka? Kilimo. Ils avaient tout. Balikuwaka na biote. Mais lakini pour que le tout là juu bile biote se perpétue et qu'eux vivent, que leurs descendants vivent, ils devaient cultiver. Ouais, quand on parle aux Congolais de cultiver, ils sont tristes. Regardez tous. Nous n'avons pas le temps. Mais la première source de la richesse matérielle et financière, c'est l'agriculture et l'élevage. Tous les pays au monde qui développaient font l'agriculture jusqu'à aujourd'hui. Je vais poser la question. Vous voyez? Comme nous sommes ici, cette partie ici c'est MOI, est
Leur travail, c'est aller chercher l'argent, faire la guerre, ils attrapent l'argent, ils viennent avec les meubles, les moyens, tout ça. Maintenant, cette partie ici est leur travail, c'est cultiver. Cultiver. Après une année, qui seront riches en matière d'argent? C'est eux ou bien c'est... Je vous dis que c'est nous ici. Parce que vous là, quand vous venez avec l'argent le soir, vous allez prendre maintenant le dollar, vous mettez dans la bouche, vous allez maintenant chercher le foufou, n'est-ce pas? Et les tomates. Vous irez où? Vous viendrez ici chez nous. Donc chaque soir quand vous venez, nous vous attendons. Vous venez. Je peux avoir un sac de farine. Très bien. $30. Je peux avoir un peu de Thompson. Je peux avoir un peu de banane. Très bien. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais j'ai une télévision. Donc, vrai ou faux? En définitive, qui sont riches? Ce sont les voisins. Que Dieu vous donne. Vous êtes des Congolais, non? Que Dieu vous donne la sagesse. Hein? C'est pour cela que la Bible dit que Isaac, un individu, est devenu plus riche que les Philistins, toute une nation. Parce que les Philistins, tout ce qu'ils avaient comme travail, c'est aller faire la guerre, c'est aller chercher l'argent. Quand ils viennent avec l'argent, ils n'ont pas à manger, ils vont chez Isaac. Donc Dieu nous a donné la terre comme ressource. Bon, quand j'enseignais chez nous là, on a dit papa, mais est-ce que tout le monde doit maintenant chibote tu n'es pas que coupable. Chibote tu n'as pas que machin. Non, très bien, il n'y a pas de problème. Même nous les médecins. Même nous les avocats. Même nous les ingénieurs. Je ne suis pas contre les avocats, non. Mais vous ne vous rendez pas compte dans notre pays ici. Les avocats deviennent plus nombreux que les dossiers. Un avocat me rend témoignage, dit papa. Dans notre cabinet. Même pas un dossier. Moi qui yotinej, même pas un dossier. Tout ce mois ici, à non. Je ne dis pas que. Non, amen, bien-aimés. Amen. Ok. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que même si nous prions comme Dieu va envoyer les anges pour venir construire les usines et les choses. Mais pourquoi, même quand tu as déposé les dossiers de demande partout, tu y as gêné. Tu y as gêné. Finalement, 5 ans. Tu avais 30 ans, 35. 35, 40. Ma fiancée, la fiancée depuis qu'on attendait. Mais attends, on va continuer à attendre jusqu'à quand? Attends, il y a du présenté. Même se présenter, c'est tout un problème. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ah, Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Ouvre les portes. Mais il y a une porte naturelle qui est déjà ouverte, mon frère. L'agriculture. Toi, tu as déjà été sur la rue de l'Ekassi, si on t'a interdit de commencer à cultiver. Je te pose la question. Toi qui dis que moi, je n'ai rien à faire. Tu n'as rien à faire. Bon, je sais qu'ici, il n'y a pas de chômeurs, mais... Vous voyez dehors ici. Regardez seulement dehors ici. Dehors ici. Ça fait quelques heures, non? Ouais.
Oui, mon frère, oui. Ici à côté. Tu parles les nuits. Hein? C'est votre pasteur, non? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dites-moi amen. C'est ma amine, ce que je dis, c'est important. Amen. Les ressources humaines, ce sont les capacités, les aptitudes, les dons, les talents. C'est la force physique. Pour faire tout travail manuel, tout travail intellectuel, il y a des gens, leur intelligence dort. Dieu nous a donné l'âme avec les facultés, comme l'intelligence, pour réfléchir. Proverbe dit quoi? Réfléchis sur ces choses. Tu trouveras le bonheur. Les choses, c'est quoi? Les choses, c'est la vie, mon cher. Hein? Pose-toi la question. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Mais arrête-toi d'abord un peu, non? Commence un peu à réfléchir. 30 ans. Maintenant, réfléchis quand même. Pendant que tu réfléchis, hein, la Bible ajoute, hein, Dieu dit ceci. J'ai mis par écrit des maximes. Des principes pour que tu y réfléchisses. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arrêter d'abord de prier, de parler en langue, d'ouvrir la Bible et de réfléchir sur ce que tu lis, sur ce qui est écrit? Il t'est déjà arrivé de réfléchir en te demandant pourquoi Dieu a pris Adam. Il l'amène dans le jardin d'Éden et il lui dit cultive. Maintenant, réfléchis. Pourquoi Dieu a fait ça? Réfléchis sur ces choses. C'est vrai, on dit que le passé, c'est le passé. Mais en réfléchissant sur le passé, tu vas tirer des conclusions sur le présent et sur l'avenir. Et pendant que tu réfléchis, le Saint-Esprit est avec toi. Il te conduit dans cette réflexion. Même la vision. Même si tu as rêvé comment, quand tu te réveilles, réfléchis sur la vision, mon frère. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Pierre, non? Il reçoit la vision. Dieu lui dit, tue les quadrupèdes, tout ça, mange. Il dit, non, nous on ne mange pas. Dieu dit, mange. Puis il se réveille. La Bible dit quoi? Pendant qu'il réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, descends. Il y a des hommes à la porte qui te cherchent. Quand les hommes-là lui racontent pourquoi ils sont venus, le Saint-Esprit lui dit, oui, oui, les quadrupèdes que tu devais manger, c'est Corneille et sa famille, Corneille qui est romain, mais Dieu a décidé de les sauver et de les faire participer au même héritage que vous les Juifs. La Bible dit, pendant qu'il réfléchissait, l'âme des chrétiens dort. Je parle du travail de l'esprit, de l'âme et du corps. Et il y a des chrétiens dont leur esprit et leur âme sont au chômage. Quelles sont les activités de l'esprit? C'est par ton esprit que tu dois obéir à Dieu. C'est par ton esprit que tu dois obéir, mettre en pratique la parole de Dieu. Ça commence dans ton homme intérieur. L'intégrité commence dans ton homme intérieur. Et quand l'esprit obéit à la parole de Dieu, transmet maintenant cette vie-là à l'âme et au corps. C'est ainsi que quand les sentiments, les émotions dans l'âme sont contraires à la parole de Dieu que l'esprit a reçue de Dieu,
L'esprit dit à l'âme, ces sentiments ici, je n'en veux pas. Tais-toi. Quand la main du corps veut prendre le vin alcoolisé, veut prendre la bière pour boire, l'esprit dit au corps, ça je ne t'autorise pas. Et le corps obéit. C'est ainsi que l'esprit qui obéit à Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, reçoit cette vie du bon berger et la transmet à l'âme et au corps. Votre esprit doit travailler, mon frère. Quelles sont les autres activités de l'esprit? Ce sont les sacrifices spirituels que tu dois offrir à Dieu tous les jours, car n'oublie pas, bien que tu sois enfant de Dieu, mais tu es un roi et un sacrificateur, un serviteur. Et la Bible dit que les serviteurs, les sacrificateurs servent Dieu en lui offrant des sacrifices. Et ces sacrifices, c'est tous les jours. Il y a la louange, il y a l'adoration. L'adoration, ce n'est pas toujours ce que papa Kasson ici nous conduit. Non, il fait bien son travail, papa Kasson. Mais voyez, on est pressé par le temps. C'est bien, nous louons dans le temple. Mais la louange, ça doit être notre vie. 24 sur 24, je dois louer Dieu. Et dans la Bible, il y a Dieu, le Saint-Esprit montre même des paroles pour louer Dieu. L'adoration, c'est toute une vie, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La prière. La prière est un sacrifice spirituel, vous savez. Les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, leur prière, ce n'est pas de la mendicité. Vous êtes venu ce matin à l'église. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes qui? Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Et vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu servir Dieu. Écoutez, chers amis, ceux qui n'ont pas encore compris que quand ils viennent à l'église, c'est pour servir Dieu, ils perdent leur temps. Quand vous trouvez les gens, louons Dieu. Seigneur, quand on dit louons Dieu, lui il est là. Seigneur, souviens-toi, hier je n'ai pas mangé. Seigneur, souviens-toi, mes enfants, demain c'est la rentrée et on va les chercher. Seigneur, quand on presse la parole ici, lui il est ailleurs. Est-ce que mes enfants vont manger ce soir? Cette semaine je ne sais pas comment ça va commencer. Tu perds ton temps. Écoutez bien. Nous venons au culte. Nous venons faire quoi? Servir Dieu. Offrir à Dieu le culte. Ce qui fait que tout ce que nous faisons pendant le culte, mon frère, c'est un service qu'on rend à Dieu. Une prière qui n'est pas un sacrifice spirituel, Dieu ne l'exaucera jamais, jamais, jamais. L'écoute de la parole, c'est un sacrifice spirituel. Car c'est dans cette parole qu'il y a la vie. Je vous ai dit quoi? Pour vivre la vie du bon berger, Dieu nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous a donné sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu a pris sa vie, il l'a mis dans la parole. Ainsi, lorsque vous mettez en pratique la parole, vous avez la vie, vous la vivez. C'est comme ça que Jésus a vécu la vie de son Père. Et c'est comme ça que Jésus nous montre la voie pour vivre. Amen, bien-aimé. Jésus dit quoi dans Jean? Il s'adresse au Père. Je leur ai donné quoi ça? Les paroles que tu m'as données. Pourquoi? Pour qu'en les recevant, ils aient la vie. Notre vie. Et il est la vive. Amen, bien-aimé. Donc, quand on prêche la parole, si tu dors, toi, tu mérites les cachots. Hein? Sécurité. Est-ce qu'on peut dire amen? Mon amour la mouche.
Vous le réveillez, vous le prenez, vous l'amenez derrière. Amen, Église. Amina. C'est Dieu qui parle. Je te pose la question. Si ton papa te parle, hein, ton père te parle, mais toi tu dors. Ton papa, baba yako, qui est un homme comme toi, il te qui parle. Sa, we. Lakini, kuambia, mambo, kulala, hmm? Ou bien il te parle. Awe, ongea, na, we. Tu penses ailleurs. Faites attention, peuple de Dieu. Kebeni ange batoto ya Mungu. Et puis après, na kisha, il y a les sacrifices d'argent, ya feza, les dîmes et les offrandes. Chekumi na sadaka. Bref, okifupi. Quand nous, notre esprit, wakati roho yetu, avec la s'appuyant sur inanafsi inaigamia mwili fait ce travail inafanya kazi ile automatiquement pale pale. Dieu nous donne sa vie et l'abondance qui est associée. Mungu anatupatia uzima wake na utele na ambatana nayo. Est-ce que vous comprenez ça? Naelewa. Jésus, yes, ne nous a pas donné 50% de sa vie. Akutupatie pusenti makumi tano ya uzima wake. Même pas 99,9%. C'est parce que la vie de Jésus, bon berger, était une vie bénie abondamment que nous, ces brebis, nous devons aussi vivre cette vie bénie abondamment à 100%. L'abondance spirituelle qui a caractérisé sa vie doit être la tienne. L'abondance physique, je vous ai dit que l'abondance on ne peut pas chiffrer. Ok, très bien. Je te pose la question. Tu as déjà réfléchi au coût de la bonne santé? La bonne santé physique. Tu as déjà réfléchi? Combien ça peut coûter? Voyez, n'est-ce pas, nous respirons. Nous respirons à cause de l'oxygène qui est dans l'air. Qui a déjà vu l'oxygène avec ses yeux fermés? Vous voyez l'oxygène. Vous pouvez nous dire sa couleur. Mais l'oxygène est là. Fais un peu comme ça. Funga mbele mpua yako. Non, ouais, funga. Funga tu. Tu ne vas pas mourir. Empêche l'air de pénétrer dans les narines. Autakufa, funga. Tu ne vas pas mourir. Essaye un peu. Funga na kinyo bien. Bouche, même la bouche là. Si je vous dis, restons 30 minutes dans la course. Kamila kuambia sema funga mpua, funga na kinwa, madakika makumi tatu. Vous direz au pasteur, le papa là, on ne veut plus le voir ici. Tutaambia pasteur Samson, c'est ule baba yako, ule atupendi, ushimulete tena siku ingine huko anataka kutuua. Ah, c'est vrai mon cher. Vous savez, quand vous êtes en bonne santé, l'année passée au mois de juin, Dieu a permis que nous soyons affectés par une grave maladie. Pendant une semaine, je respirais par les bonbons. J'ai compris que la vie, amen, bien-aimé. Amen. J'ai compris pourquoi David a dit que tout ce qui respire mon frère, quand on enlève les tuyaux d'oxygène, tu sens que tu meurs. Mais tous les jours, nous nageons dans l'oxygène. Combien d'entre nous s'arrêtent pour dire, Seigneur, merci pour l'oxygène? C'est pourquoi Dieu, même dans son alliance, il a prévu parmi l'héritage donc, caractérise cette vie. Même sur le plan physique, la bonne santé physique de ses enfants, que lui, Jésus,
n'est jamais tombé malade. De même, il nous destine à ne jamais tomber malade. C'est pourquoi Dieu dit ceci à Israël. Si tu m'obéis, tu mets en pratique mes lois. Donc, si ton esprit travaille, amen, bien-aimé, moi, je vais faire quoi? Je vais éloigner la maladie de ta maison. C'est Dieu qui dit ça. Il ajoute dans ta maison, pas de femmes stériles, pas de femmes qui avortent. Donc la vie du bon berger qu'il nous a donné contient la bonne santé physique, contient la fécondité. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit quoi à Israël? Si tu m'obéis, vous connaissez Exode 15, 26. Toutes les épidémies dont j'ai frappé les Égyptiens, allez, je vais les chasser. Toi, tu ne les connaîtras jamais. Amen, bien-aimé. Sois en bonne santé physique. J'ai dit, juif, écoute, mon frère. Bon, je sais que maintenant sur l'internet c'est manger 5 fruits par jour, manger ceci, manger cela, oh, faites ceci, tout ça. Mais bon, je ne sais pas, peut-être Chine du truc au commun. Mais finalement, vous vous rendez compte que quand la maladie veut venir, elle vient. Vrai ou faux? Non, moi, ces derniers temps, c'est un peu comme ça. Mais un jour, vous apprenez que non, il est tombé. Amen, bien-aimé. La bonne santé physique, c'est l'héritage de la vie du bon berger. Pour nous, les enfants, sois en bonne santé. J'ai dit, sois en bonne santé physique. Cette année, sois en bonne santé physique. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu a prévu, quand bien même la maladie vient, allez, je vais te guérir. C'est pourquoi lui qui n'était jamais tombé malade. Esaïe, amen, bien-aimé. Esaïe dit ceci, 53 verset 3, qu'il s'est chargé de nos maladies, il a porté nos souffrances, et il ajoute, par ses blessures nous sommes guéris. Vous comprenez? Il parle d'un homme qui n'est pas encore là, un homme qui n'allait pas tomber malade, mais pour assurer la bonne santé physique de ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le corps, non seulement pour être crucifié pour les péchés, mais aussi que ce corps soit détruit. Amen, bien-aimé. C'était une souffrance atroce, mais Jésus a supporté cette souffrance. Il a triomphé de la douleur. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi c'est écrit que par ses blessures, en d'autres termes, la puissance que Jésus a déployée pour vaincre les clous, pour vaincre la lance, c'est cette puissance qui, quand nous tombons malade, elle détruit la maladie dans le corps. Papa, vous me donnez 5 minutes. Il ne faut pas que j'exagère. 5. Je vous parle encore un peu sur l'abondance spirituelle, sur le plan spirituel. Jean 1, 12 dit quoi? Ceux qui ont cru en Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu, nés de Dieu par la puissance de Dieu. Nous recevons Jésus quand nous croyons en sa parole, et c'est ça la nouvelle naissance. Mais pourquoi la Bible dit que ce n'est pas la puissance de Dieu? Jésus dit à Nicodème qu'il faut que vous naissiez. Tafazali uzalikwe utoke juu.
Lisez bien dans Jean 3. Soma mzuri Yohane 3. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance à Nicodème, il lui dit, vous devez naître d'en haut. C'est-à-dire du ciel. Ça veut dire quoi? Nous savons la nouvelle naissance. C'est l'acte créateur du Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu qui recrée notre esprit. Le Saint-Esprit vient d'où? Du ciel. La parole de Dieu vient d'où? Du ciel. C'est pourquoi toi, le chrétien, né véritablement de nouveau. Tu es un véritable citoyen du ciel. Physiquement, tu es né de la chair. À partir de la terre. Par tes parents. Mais spirituellement, tu es né du ciel. C'est pourquoi je vous répète encore vous aujourd'hui. Un chrétien demeurera un puissant mystère pour le diable. Parce que c'est quelqu'un qui marche physiquement sur la terre. Mais en même temps, il est au ciel. C'est ça. Je vous ai déjà dit non. Jésus dit quoi? Vos vies sont gravées dans mes mains. Il dit ça quand il est sur la terre. Il est monté au ciel. Est-ce qu'il a dit que comme je pars au ciel, je laisse vos vies sur la terre? Non. Quand il était sur la terre, les vies des chrétiens gravées dans sa main. Maintenant qu'il est au ciel, les jours que je suis devenu aussi chrétien, ma vie s'est ajoutée. C'est pourquoi quand Papa Zacharie marche, c'est avec toute fierté, parce qu'il sait que comme je suis citoyen du ciel, le ciel a mis à ma disposition les anges qui me gardent. Pose-toi la question. N'est-ce pas quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux que les grains étudient, amen. Pourquoi les anges campent autour de toi? Tu es citoyen du ciel. Deux, vivant sur la terre, ta vie n'est pas celle de la terre, c'est celle du ciel. Pouvoir. La Bible dit. Un enfant de Dieu est un pouvoir. Mais en quoi consiste mon pouvoir? Mais c'est parce que en tant qu'enfant de Dieu, un, ma vie c'est la vie de Dieu. Deux, je porte le nom de mon Père. Amen, Église. Amina. Jésus dit dans Jean 17. Yesu anasema ndani ya kitabu ya Yohane 17. Il s'adresse à Dieu le Père. Eko naambia Mungu Baba. Il dit, je pars. Anasema naenda. Et il reste. Na boba na baki. Mais je te demande na kuomba Baba de les garder ubachunge par le pouvoir. Mamlaka. Jean 17, 11. Yohane 17, 11. De les garder par le pouvoir de ton nom. Ubachunge kwa uwezo wa jina lako. Ce nom que tu m'as donné. Jina wewe ulinipanga mie. C'est écrit. Ilishaandikiwa. Non, ça c'est après. Jean 17, 11. Ici, voyez ici là. J'aime aussi ce verset. Jésus dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Afin que comme moi et vous nous sommes un, et aussi soit un avec nous. Maintenant Jésus dit ceci. Moi en toi, toi. Il dit moi en toi. Non, non, il dit toi Dieu en moi. Et moi en eux. Est-ce que vous comprenez? Toi Dieu le Père. Tu es en moi. Et moi Dieu le Fils. Je suis en eux. Pourquoi? Pour que Dieu le Père soit aussi en nous. Amen, le bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dites bien amen, non? Dites, encouragez-moi un peu. Bientôt, nous allons prier. Amen. Amen. Ah, j'aime Jésus vraiment. Il dit à Dieu le Père, toi, tu es à moi. Maintenant, moi, je suis en eux. Comme il dit à Dieu le Père, comme tu es à moi, et que
Moi, je suis en eux. Donc, accepte que nous allions en eux. Est-ce que vous comprenez? Naelewa. La présence de Jésus Yesu, à moi Daniel. Implique la présence de Dieu le Père. C'est pourquoi Daniel. Quand Jésus dit donc, sababu, Yesu anasema, ton nom la, tu m'as donné amen bien-aimé et il nous donne ce nom-là. Anatupatia ile jina. Alléluia. Amina. Amen bien-aimé. Mais Jésus est notre Père. Yesu, shinjo, baba, Yesu. Donc nous portons son nom jina, et la Bible déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc, quand moi je marche, enfant de Jésus, quand je marche, je porte le nom de Jésus, même si ce n'est pas écrit là-bas, même si vous m'appelez Kabengele, il n'y a pas de problème. Mais les démons, les sorciers, ils ne me connaissent pas comme Kabengele, ils me connaissent comme enfant de Jésus. Donc, quand je viens là, mais ils ne peuvent pas m'affronter. Amen, bien-aimé. Tous genoux, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchis les genoux devant le nom de Jésus. Comme je le porte, partout où nous passons, bien-aimé, si Dieu pouvait nous montrer ce qui se passe dans le monde spirituel, nous n'allions pas blaguer. C'est pourquoi Jésus dit, prenez mon nom, je suis votre Père, prenez mon nom, avec la puissance de mon nom, marchez sur le scorpion, marchez sur le serpent, marchez sur le diable, marchez sur toute la puissance de Satan. Il dit, avec mon nom, chassez les représentants du diable, chassez les démons. Mon nom, proclamez la guérison des malades. Jésus dit, avec mon nom. Ah. Bon, écoutez, fermons seulement les yeux parce que cette allure ici, le pasteur, non, à cette allure, le pasteur va me couper le micro. Mais fermons les yeux. Fermons les yeux.